Et bonjour, bonjour. Rocco. Alors, moi c'est Flo et je te présente les énergies de Flo. Donc, je vais te faire un petit tirage. Alors, oui, c'est le bordel parce que je viens de faire une petite vidéo Noël pour te présenter deux, trois petites idées. Donc, je ne sais pas si la vidéo sortira avant ou après celle-là, mais voilà, je t'ai fait une petite vidéo d'idées pour Noël. Et là, tout de suite, j'avais envie, du coup, de te faire un petit tirage. Je ne sais pas encore avec quelle carte, avec quoi, comment. Il y aura, je pense qu'on va se faire un petit 78 là. Alors, 78, c'est Emmanuel Igé. Et c'est. C'est des méthodes. Il y a 78 méthodes. Donc peut-être qu'on se fera une au hasard. Mais j'avais envie. Pardon. J'ai parlé pendant je ne sais pas combien, là, 1 heure. J'en peux plus. Alors, avec les 77, on pourrait se faire un petit truc, je sais pas. Ça te dit? Ou ça te dit pas? Je t'entends pas, donc vu que je t'entends pas, je vais le faire quand même. Ça te dérange pas? Si ça te dérange. Bon, allez. On va demander comment est-ce qu'on peut nous dire, tiens. On tente le coup. Là, voilà, j'ai Michael avec moi. Allez, Michael. Comment va finir l'année? On peut savoir comment va finir l'année. Je le protège, hein. Allez, comment on va finir l'année? Donc, c'est plus que général, hein, c'est pour nous tous, ça. Comment va finir l'année? Alors, on nous parle de sagesse. On nous parle de maison. On nous parle de justice, d'équilibre. Oula, on nous parle de quelque chose de soudain. Quelque chose de soudain. Qu'est-ce qu'on va nous pondre? Qu'est-ce qu'on va nous pondre encore? Quelque chose de soudain. Alors, sagesse, la sagesse et la maison. Est-ce qu'il. Bon, ben, peut-être qu'il est plus sage de rester à la maison, c'est ça? C'est la fin. La fin de quelque chose, hein. La fin de quelque chose, ou quelque chose qui vient vite, qui se termine vite. Bon, ben, vraiment, l'année, elle est bientôt finie. La clé. L'abondance. Oh. Ouais, non, mais il faut attendre l'automne prochain. Une femme. Alors, là comme ça, on nous dit. Donc la question, je répète, est-ce que ouais, je parle pas dans le vent. La question, avec la protection de Michael. Oui. Je préfère être prudent et je vais même pas me trop mouiller, donc n'attendez pas des révélations de ouf. Ici, je crois que ce qu'on est en train de nous dire, c'est de faire preuve de sagesse et de rester à la maison. Pourquoi? Je sais pas, mais on nous demande de rester à la maison. Il y a un équilibre, il y a une justice, il y a quelque chose qui se fait. Est-ce que je dis naturellement? Un équilibre qui va se faire naturellement?
De quoi je parle, je sais pas, je vais même pas prononcer certains mots parce que vu ce que je vois sur YouTube, je préfère rester ne rien dire. En même temps, bon, bah, moi personne ne me connaît. Vous êtes quoi, neuf? Bonjour à vous neuf qui me regardez de temps en temps. En tout cas, à vous neuf abonnés, moi je suis très content d'avoir neuf abonnés. C'est un très joli chiffre ou nombre. Moi, je vous aime. Je vous aime. Donc, faisons alors pour la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, d'accord? Donc, la question c'était comment aller finir l'année? Comment allons-nous finir l'année? Donc, je suis vraiment en général. Je parle pas de toi, je parle pas de moi, je parle pas de nous, je parle de nous tous, d'accord? Il y a quelque chose. Comme quelque chose de foudroyant qui arrive, qui va faire l'équilibre, qui va équilibrer les choses. Nous, on nous demande de faire preuve de sagesse et de rester à la maison. Je ne pense pas que ça va être un autre confifi. Non, c'est bon, on est assez. Je pense pas. Je pense pas, de toute façon, même si je regarde pas la télé, je regarde pas trop ce qui se passe. Je ne pense pas, j'ai pas l'impression qu'il y aura un autre confifi. Mais on a bien la maison de faire preuve de sagesse. Bon, après, on prend comme on prend. Hein. Peut-être que c'est pour toi en fait le message. Hein. Peut-être que c'est pour 2-3 personnes. Peut-être que c'est pour personne. Peut-être que c'est pour tout le monde. Tu fais en fonction de ta situation. J'ai comme la fin du. On tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Tu vois le. Il y a quelque chose qui s'arrête net. Enfin, net. C'est assez rapide. C'est la rapidité. La rapidité. Qui s'arrête. Moi, pour moi, ça, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête net. Rapide. Pas net, mais rapide. Rapidement, il y a un truc qui va s'arrêter. Alors, ce n'est pas tout ce. Boui-boui, gadou, je ne sais quoi, qui est en place, qui va s'arrêter net, parce que c'est pas possible, ça va prendre du temps, ça c'est sûr, c'est pas possible que ça s'arrête net. Il y a une rapidité, il y a une rapidité, là moi je vois une rapidité quand même, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui va se freiner? En tout cas, cette fois je ne vois pas une renaissance, mais une mort en fait. Donc la fin, je vois une fin de quelque chose, et non pas une renaissance. Des fois, c'est la Renaissance qui sort avec cette carte-là, non. Et malheureusement, c'est la clé de l'abondance. C'est la clé de l'abondance. Alors, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, hein, honnêtement. Je te promets, je te promets. Je te promets, je ne sais pas du tout ce que je suis en train de dire. J'ose même pas interpréter avec des mots un peu plus autres, hein, que ce que je suis en train de te dire. J'ose pas. Mais la clé, c'est la clé de l'abondance. Et c'est comme si cette abondance, c'était l'automne. Automne. Automne. Donc automne, on commence à peine l'automne. Enfin, on commence à peine, non, on est en automne. Mais moi, je dirais l'automne prochain. Pas cette année. En gros, c'est pas cette année. Pas cette année. Donc il y a quelque chose de rapide. Ah, oh, moi ça me fait peur là. Qu'est-ce que tu veux nous dire là? Non mais là, ça me fout les jetons là. Honnêtement, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête rapide. En fait, il y a une mort rapide. C'est quoi cette mort rapide? Cette fin rapide qui est la clé d'une abondance. Qui est ou abondante, une fin abondante. Allez, je comprends pas là, je comprends pas tout là. Je comprends pas tout là. Et ça me stresse. Non, ça me stresse pas, ça me. Là, j'avoue que j'ai des frissons là. J'ai des petits frissons parce que ce que moi je suis en train de comprendre, que je ne peux vous dire, ne me plaît pas trop. Et ce serait pour l'automne prochain. Pour l'automne prochain.
Alors ça, c'est de l'huile essentielle d'orange douce. C'est pour s'apaiser, se relaxer, se... Voilà. Ça marche bien, c'est super, ça sent bon. Ce sont l'orange, en fait, hein, tu te frottes. Voilà. L'orange, hein. Tu te la pèles, tu te la crottes. Et ça, t'as pas besoin d'acheter ça. Bref, une femme, il y a une femme qui entre en jeu. Il y a une femme qui entre en jeu. Alors essaye de suivre, essaye d'imaginer, essaye d'ouvrir ton esprit un peu plus, parce que je ne te donnerai pas de détails, sauf si tu viens me les demander en privé. Peut-être que là, je pourrais. Mais sinon, je ne vais pas me mouiller. Je te dis tout de suite, je ne me mouille pas. Moi, je suis un miaou, je suis chat. Je suis un chat, je n'aime pas l'eau, je ne me mouille pas. C'est comme ça. Donc, j'ai. Donc, ça sera. Du coup, c'est pour l'automne. L'automne prochain. Donc, après cette fin assez rapide qui est nécessaire à une certaine abondance, c'est comme si c'était une. Il y avait une femme. C'est la renaissance qui vient. Ça va avec, hein, renaissance femme. Je te promets que j'ai de sacrés frissons là. Donc voilà, je m'arrête. Je m'arrête. Je vais essayer de compléter. Alors là, je vais prendre le. Alors c'est le yin et le yang. Hein, c'est des 77 yin-yang. Je ne sais pas quel est le yin, quel est le yang. Je suppose que toi, tu le sais mieux que moi. Donc je ne vais pas me mouiller. Je pensais pas que ça allait donner ça. Je pensais pas que ça allait donner ça. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? Moi, j'ai envie de recouvrir. Alors déjà là, j'ai. On nous demande de faire preuve de sagesse et de rester à la maison. Pourquoi? Pourquoi on nous demande de rester à la maison? Des nouvelles. Le téléphone sonne. Je sais pas. Reste à la maison, le téléphone sonne. Reste à la maison, le téléphone sonne. Non mais. Alors mais là. Heureusement que j'ai que 9 abonnés, parce que là, sinon tout le monde va me prendre pour un grand perché là. Fais preuve de sagesse, le téléphone. Fais preuve de sagesse, reste à la maison, le téléphone sonne. La justice, l'équilibre est quelque chose d'assez foudroyant qui vient à nous. Des nouvelles, on a des nouvelles, donc reste à la maison, fais preuve de sagesse, reste à la maison. Je te promets que j'ai des frissons. Fais preuve de sagesse, reste à la maison. Il y a des nouvelles foudroyantes, des nouvelles de la justice. La justice. La justice, la justice, c'est assez foudroyant, c'est assez, assez peut-être soudain. C'est des nouvelles qui viennent, qui arrivent. Ça arrive. Donc la fin de quoi? Là, moi, je voyais, ça s'arrête la fin. La fin. Wow. Internet. Réseau, la fin des réseaux, non. La fin d'Internet, la fin des réseaux. Une coupure de réseau, alors. Rapide.
approprié. Savoir, savoir et connaissance. Attention, attention, attention. Moi, je vous dis attention. Faites preuve de sagesse, restez à la maison. Des nouvelles qui arrivent. Justice qui pourrait représenter, ben oui, la justice, ben à ce niveau-là, la justice est en haut, donc c'est pas. Voilà, c'est la justice d'un pays, donc c'est un gouvernement, on peut dire ça comme ça. Des nouvelles d'un gouvernement, c'est assez foudroyant, c'est assez voilà, soudain. Ici, j'ai comme si on essaye de... Enfin, il faut qu'on... Il y a quelque chose qui va se savoir, de toute façon. Ça va se savoir. Quelque chose. Peut-être qu'on nous empêche aussi de continuer à apprendre, continuer à savoir, continuer... Il faut surtout continuer à apprendre. Il faut pas s'arrêter d'apprendre. Il faut pas s'arrêter. Alors, pourquoi je pense à... D'un coup, je pense à l'école, en fait. Je pense à l'école, aux études. Il faut pas s'arrêter, hein. Il faut pas s'arrêter. C'est dangereux. Il faut, justement, la connaissance et le savoir. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Bon. Je comprends pas tout ce que je suis en train de vous dire, alors... voilà. Je voulais savoir... Donc aussi pour cette naissance, cette renaissance ou cette naissance, quelque chose qui démarre avec cette femme. Qu'est-ce que c'est que ça? La protection divine. Protection divine. Protection divine. Protection divine. On a ben, peut-être les. Voilà. Peut-être que les archanges, les anges vont venir nous aider. Bon, ben là, je m'attendais pas à ça comme tirage, du tout, du tout, du tout, du tout. Je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus... Bon, ben, il va falloir que je surveille ça. Il faudra que je voie un peu. Et du coup, je vais m'arrêter là. Pour cette vidéo, comme ça, elle sera pas trop longue et je vais en faire une autre pour les 78, en fait. Je vais en faire une autre. Donc, ben, je vous laisse avec ce message. Je vous dis garder espoir. De toute façon, ben, on l'a là, en fait. Ça veut dire aussi garder espoir, hein. La protection divine, cette renaissance féminine. On a une renaissance féminine. Alors, est-ce que j'ose... Est-ce que j'ose parler? I'll never be Maria Magdalena. Je vais pas me mettre à chanter là. Si je me mets à chanter, on est foutu, les gars. Si je me mets à chanter, on est foutu. Je vous le dis. En tout cas, on va garder le sourire. Vous voyez, je garde le sourire, donc c'est plutôt pas mal. Ça sert à rien de façon d'entrer dans la parano, de dramatiser. Ça sert à rien de. D'accord? Il faut rester positif. Très important. On est positif. On émet positif, on reçoit positif. Soyons tous positifs, on va changer les choses. On va envoyer des ondes positives à tout le monde. À tout le monde, on envoie des ondes positives. Même à nos ennemis, même aux gens qu'on n'aime pas. On aime tout le monde. Basta. Chacun sa vie, chacun fait ce qu'il veut avec sa vie. Nous, on aime tout le monde et on envoie des ondes
positive parce que c'est ce qu'il faut pour tout changer. Il faut rester positif. Donc, ça va être long un an encore. Bah oui, parce que c'est l'automne prochain, quoi, qui parle. Donc, pour l'automne prochain, il y a des choses qui vont encore se passer. Et on s'arrête là, d'accord? Je vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Faites vos recherches. Apprenez à avoir vos propres jugements, vos propres infos. Arrêtez de vous coller 24 heures sur 24 certains trucs en boucle. C, K, L, j'en sais rien. Hein. Je dis au hasard, trois lettres au hasard, mais bon, voilà. Arrêtez de vous mettre certains trucs en boucle. C'est pas la peine. C'est pas la peine de se torturer, de s'angoisser. C'est anxiogène pour rien. Vous êtes en train de déprimer. Beaucoup de gens sont en train de déprimer à cause de tout ça pour rien. Pour rien. Quand je dis pour rien, je ne minimise pas tout ce qui se passe. Attention, je dis juste que on nous crée un climat anxiogène. Donc forcément que certains vont déprimer. Tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, restez positif. N'entrez pas dans ce climat anxiogène. N'entrez pas dans la parano. Vis ta vie, s'il te plaît. Vis ta vie avec le sourire. On n'est pas en train de vivre nos derniers jours. Non, 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 non. Non, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin du monde. Je te dis à tout de suite, parce que je vais faire, comme je t'ai dit, un autre tirage. Mais tu pourras le regarder quand tu veux. Parce que de toute façon, je ne sais même pas dans quelle heure ça va sortir. C'est comme ça. Moi, je ne sais pas. Je fais à ma sauce. Moi, c'est Flo. Abonne-toi. Un petit pouce, s'il te plaît. Ça fait plaisir. Tout ça, c'est gratuit en plus. C'est gratuit. C'est Noël. Tu peux bien faire ça. Tu peux t'abonner. Michael. Allez, Michael. Abonne-toi. Like. Et commente. Et partage. Et voilà. Michael nous protège. Ne vous inquiétez pas. On va. Bon, bah voilà, je sais pas comment on finit une vidéo, donc je fais n'importe quoi. À toutes. Ciao, ciao. À plus. Pas dans le bus, parce que non. Ni dans le métro, ni dans le taxi. Mais sur YouTube. Ciao, ciao.